on pourra le regarder. Bienvenue en qualification ici sur le circuit international de Shanghai en Chine. Ce circuit de 5,4 km nous promet quelques virages et courbes palpitants. L'un des plus gros changements sur la grille cette année, c'est Fernando Alonso qui a quitté Ferrari pour retourner chez McLaren. Beaucoup de gens n'auraient jamais pensé que Fernando reviendrait chez McLaren après une année aussi agitée qu'en 2007. Mais si, il est de retour et il va vouloir mettre à profit leur nouvelle collaboration avec Honda. Oui, oui, absolument. Alors moi, ce que je voudrais faire, voilà, c'est retourner pour... hop là. Alors, vous inquiétez pas, je reviens. Hein. Ouais, je gagne déjà une place sur la grille. Alors, continuer le championnat. Et on va aller dans les paramètres de course, que je crois que... Ouais, voilà, c'est ça, j'avais... J'avais baissé la difficulté d'IA pour les tests que j'avais fait. Bienvenue à toi, James91FR. C'est samedi après-midi ici à Shanghai où les voitures se préparent à sortir sur la piste pour commencer les qualifications du Grand Prix de Chine. L'un des plus gros changements sur la grille cette année, c'est Fernando Alonso qui a quitté... On va peut-être pas se retaper l'histoire de Fernando Alonso. Donc visiblement, on ne devrait pas avoir de pluie. J'ai l'impression. Départ nuageux avec risque de pluie plus tard. Bon allez. Veuillez quitter le garage, la monoplace va partir. Allez, on sort en même temps que la meute. Ce tour de décélération. On veut qu'il soit à température, pas les détruire. Une fois que tu passes la ligne, pilote en douceur et fais attention au point de corde. Je te recommande d'utiliser le mélange 3 pour une puissance optimale. Alors que veut dire les points verts sur le circuit? C'est les zones de détection du DRS, le Quintin. C'est là, à ce moment-là, où tu as une détection du chrono des deux voitures qui se poursuivent pour savoir si elles sont à moins d'une seconde l'une de l'autre. Et du coup, ça permet de permettre au pilote qui est devant de déclencher son DRS dans les zones de DRS. Tu vois là, par exemple, là il y a une zone de détection qui est ici, où il y a le trait, là. Et donc c'est là ici où ils prennent le chrono avec mon poursuivant pour savoir si pendant la course la personne qui sera derrière moi ou si moi je suis à moins d'une seconde devant de la voiture qui est devant et qui me permettra donc de déclencher mon DRS dans la ligne droite comme ici. Allez, on est parti.
fait doubler par une Williams, ce qui est normal. La Williams de Massa, et on se gêne, c'est bien dommage. Il va falloir refaire un tour pour améliorer ce chrono. Même si c'est 8ème temps pour l'instant. Tu es descendu à la 9ème place. J'étais déventé par la voiture de Massa là, dans le virage. C'était très désagréable. Putain, il m'a mis dedans, c'est pas grave. Derrière toi, laisse-le passer ou prends son rythme. Putain, Massa, j'étais pas du tout dans l'idée qu'il allait me faire un tour de décélération. Je l'ai vu rentrer dans les stands, j'ai cru que. Enfin. Ouais, il m'a perdu quoi. Tu es un peu à la traîne dans les secteurs 1 et 2 et très en retard dans le secteur 3. Alors on va rentrer au stand. 13ème temps pour l'instant. J'ai peur que ça s'aggrave d'ici la fin de la séance et que je descende dans les fonds du classement. Ça me ferait chier ça. J'aurais bien au moins participé à Q2 quoi.
réservoir est presque à sec et ne te reste qu'un ou deux kilos de carburant. Si on passe en Q2, on la commencera avec les primes pour ne pas taper dans le capital pneu pour la course. Ouais, ok, ça marche. Massa était dans un tour rapide, c'est pour ça qu'il m'a gêné. Ouais, je conçois que Massa était dans un tour rapide et qu'il m'a gêné, mais alors après... enfin voilà, on s'est gêné mutuellement, ça m'a permis... d'insister un petit peu et puis de faire mon chrono après derrière pour gagner cette 13ème place. Est-ce que ça va tenir? J'en suis pas certain. On voit que l'écart avec le 12e n'est pas très énorme. Voyons voir les pneus. Non, usé à 13%. Je serais tenté de rester avec ces pneus là. Parce que le premier train. Ouais, il y a de l'usure, mais. Salut à toi DN4IK, bienvenue sur le stream. Forza Angel, merci Rachid. Bon, je suis plus rapide dans le secteur 1, mais moins rapide dans le secteur 2 et 3 par rapport à mon au 12e. Il faudrait que je m'améliore dans ces deux secteurs. Allez, on repart. Non, du coup, t'as vu, Cyril, je suis ressorti avec mon train de pneus. J'ai pas changé de gomme. Il faut que tu freines plus doucement, tes freins surchauffent. Si tu continues, ça va poser problème. Allez, on est parti. Tu es sur la bonne voie dans les secteurs 1 et 2, mais tu perds la plus grande partie du temps dans le dernier secteur. Follower Nico FCM, merci pour le follow et bienvenue à toi.
les secteurs, surtout le premier et le troisième. Tiens, une force India devant, parce qu'on aura l'occasion de voir son museau. On voit sur les écrans de contrôle que tu bloques tes roues arrière. Ce serait peut-être une bonne idée de répartir le freinage vers l'avant. Si je mets la répartition du freinage central, j'ai des blocages de roues sur l'avant, alors faites pas chier. S'améliorer, pourtant j'ai amélioré le deuxième. Tu n'es pas dans un tour rapide, laisse passer la voiture derrière toi, il va beaucoup plus vite. Bon allez, n'insistons pas, allons ménager notre monture, on va la rentrer au garage. À part si là du coup Kiat fait un gros tour. Là j'ai joué un petit peu gros parce que si derrière ça améliore alors que je suis Felipe rentré au stand... Massa a sûrement espéré bien plus aujourd'hui, mais il a été incapable de faire un tour correct et s'est fait sortir dès la Q1. Bon ça va. Ça va, du coup derrière ça a pas amélioré, je vais réussir à passer en Q2, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Cyril pour ce travail. Et parmi les éminés on va retrouver Mary Stevens Massa, qui c'est donc Vaudrey, Maldonado, Nasser et peut-être Kiat. Allez, on va passer à Q2 du coup. Alors qu'est-ce que je pense, je sais pas si c'est la question m'est adressée, The Phenom, qu'est-ce que je pense de la livrée Renault? Ben écoute, moi je kiffe cette livrée Renault. Alors je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde. Cyril a l'air de penser que c'est une livrée temporaire. Mais pour ma part, si elle reste comme ça, même lorsque la saison va commencer... Moi, j'imagine qu'il y aura un peu plus de sponsors, bien évidemment. Mais franchement, moi je la trouve vraiment sexy.
Allez, on va repartir en piste. Essayer de faire quelque chose de bien. Donc on a un Q2 qui est sous un soleil radieux. Bottas, on se pousse. Eh putain, d'IA de merde. Allez, casse-toi, fous tes Bottas. Et le gonce qui insiste à l'intérieur, mais il veut quoi, lui? Il veut du pain. Allez, casse-toi. Fantastique, tu viens de signer le meilleur chrono. Eh oui, c'est fantastique. On est tombé à la deuxième place. Vettel a mis tout le monde d'accord parce que moi, il vient de me coller 6 secondes dans la vue. Et voilà, impeccable. Impeccable. L'IA, magnifique, magique. Impressionnante. J'ai même pas d'autres qualificatifs. Les mots me manquent. Mais on va encore dire que c'est moi qui ai conduit comme une brêle. Ah bah oui, le Quintin, je savais que ça allait pas tenir, hein. Le chrono. Si on ne se place pas dans les 10 premiers, on ne participera pas à la Q3. Donne tout ce que tu as. Putain, je suis vert, hein, sans déconner. Surtout dans les secteurs 2 et 3. Cyril, je te laisse imaginer le truc. Tu m'as dit de me mettre en mélange 1 et relâcher sur mon tour après l'accrochage avec la Williams. Quand j'ai vu ton message, je venais de finir mon tour et je venais de repasser le mélange riche pour relancer un tour chrono.
Mais si un fond orageux apparaît, on te le dira. Sur les opus de F1 de Codemaster, l'IA que j'ai préféré, c'est l'IA modée. Parce que là, au moins, elle avait un comportement qui ressemblait à du pilotage. Parce que là, c'est abusé. Bon temps dans le premier secteur, mais mauvais temps dans le deuxième secteur et temps catastrophique dans le troisième. Salut Boris, bienvenue sur le live. Tu es un peu à la traîne dans les secteurs 1 et 2 et très en retard dans le secteur 3. Pour l'instant, je suis 14e devant Bottas, mais ça va pas tenir, à mon avis. Faut pas rêver. Est-il possible que des fois Bottas ait abîmé sa voiture en ayant fait l'accrochage sur ma monoplace? Ce serait pas impossible, ça encore. Ce qui expliquerait pourquoi Bottas est derrière moi. Ramener sagement la voiture au stand. Sinon, non, Cyril, je suis pas sorti avec les pneus neufs. Je suis sorti avec des pneus. Attends. Q2. Ouais, je suis sorti avec des pneus neufs, pardon. Autant pour moi. Quentin, j'essaie de pas trop être agressif justement dans mes virages pour éviter de taper dans mon capital pneu. Ah ouais, je rentre, Cyril, je rentre. Donc au moment où tu marques box, je m'apprête à rentrer dans les stands pour donner une indication du délai qu'il y a entre quand je vois tes commandes et ce que je peux faire. Ce que je fais. Nabil, bienvenue à toi et merci pour le follow. Alors actuellement on est 8 à regarder le stream. Bon, c'est somme toute aléatoire, hein, j'ai envie de dire. Twitch est très précis sur ce genre d'informations. Ironie, bien sûr.
Non, c'est dommage, hein, l'objectif de l'écurie était 12e place. J'ai regardé quels sont les écarts avec les pilotes qui sont devant, mais j'ai peur que ça soit compliqué pour aller chercher les pilotes qui sont devant. C'est Alonso qui est devant, il est en 1:41.512. Il y a 1 seconde de mieux que moi. Je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais je vois pas comment je vais pouvoir aller chercher la seconde qui me sépare, pardon, de Alonso devant. Donc les pneus, ben 13% d'usure, ça va. Ça va. Ouais, je pense qu'on partira en prime pour la course et puis on fera les stratégies décalées, mais de toute façon c'était trop juste. Même si faut être réaliste, même si je ressortais en piste là, le temps de faire mon tour, avec les 3 minutes qui restaient, avec l'écart que j'ai entre Alonso et moi par rapport au chrono, je vois vraiment pas comment j'aurais pu aller chercher 1 seconde. Le type avec sa Honda, il tourne en 1:41.512. C'est juste l'alu, quoi. C'est une performance très décevante que nous offre Fernando Alonso. Il voulait faire partie des 10 premiers pour la course de demain, mais finalement, il est éliminé de la Q2. Donc voilà, parmi les éliminés de la Q2, Jenson Button, Fernando Alonso, les deux McLaren du coup, Marcus Ericsson, moi-même et Valtteri Bottas qui finalement n'aura pas réussi à faire un chrono. Est-ce que c'est l'accrochage qu'il y a eu entre sa voiture et la mienne qui a fait qu'il a été obligé de rentrer au stand pour réparer et du coup qui a pas permis au pilote finlandais d'aller essayer de faire quelque chose. Mais je suis assez surpris. Et bon, du coup, voilà une séance de qualification qui se termine pour moi en Q2. Alors c'est bien parce que du